venir guérir ce mot de tête. He's capable to heal my headache. Et je peux être capable de prêcher ta parole. For me to be able to preach his word. Il est celui qui veille sur sa parole pour l'accomplir. He is the one who watches his word to accomplish. Oh, bien-aimé, je peux vous dire que je me sens bien au moment où je vous parle. Et même quand vous me regardez, vous pouvez voir que je me sens bien. Even now that you're looking at me, you can see. Amen. Well. Ce Seigneur est bon. This God is good. Amen. Amen. Il est très bon. He is very good. Il est bon que vous ne pouvez pas même l'imaginer. He is so good that you cannot even imagine. Alors quand le frère David était en train de parler encore sur la bonté de l'Éternel. So when the brother David was preaching again, talking about the goodness of God. Et il nous a lu un psaume merveilleux aussi. And he read a very marvelous psalms. Et bien le meilleur ce moment-là. And at that moment, il y a une parole qui m'a sauté à l'oreille. The word that came to my ear. Et c'est terrible. And it's terrible. J'espère que ça ne vous fasse pas peur. I hope it doesn't scare you. Alors l'Éternel, j'ai dit, il faut imaginer. So I said, you have to imagine. Que dans cette église. That in this church. Imagine ta femme, imagine ton enfant, imagine ton mari. Imagine your wife, imagine your child. Imagine ton frère. Imagine your brother. Au moment où nous parlons. At the moment we're speaking. We tell you that he's dead. Amen. Amen. Plusieurs d'entre nous, on ne veut pas entrer dans ce pensée-là. Many of us don't want to think about this thought. Imagine que l'être le plus cher que tu as. Just imagine the person that is the closest to you. Et Dieu préfère qu'il meure. And God prefers for him to die. Amen. Amen. Imagine que le pasteur Jean-Pierre est mort. Imagine the pastor died. Il était dans l'église là. He was in the church here. Il a pleuré mon tête. He said I had a headache. Et fini, il est mort. And then he died. Amen. Amen. Je crois que ça fait boum dans notre cœur. I'm sure it does something in our hearts. Imaginez que la fille chère que j'ai meurt. Just imagine that the daughter I have. J'ai commencé à imaginer qu'est-ce qui se passe. And I started to tell myself what's going on. Après avoir reçu cette nouvelle. After getting this news. Oh, j'ai commencé à avoir peur. I started to be afraid. N'est-ce pas? Isn't that so? Chacun de vous ne veut pas ça. Each and every one of us wouldn't like that. Alléluia. Amen. Mais Dieu épargne ça chaque jour. God does not let it happen to us. Dieu épargne ça, il évite ça chaque jour de notre vie. He puts it aside every day of our lives. Parce que la mort n'est pas loin de nous. Because death is not far from us. Mon frère Jean-Pierre me parlait ici avant qu'on commence les cultes. My brother Jean-Pierre was speaking to me before we started. Ils sont partis s'amuser là. Some people went to have fun. Mais ils ne sont pas sortis vivants. But they didn't come out alive. Il y a ceux qui ont attrapé les balles, il y a ceux qui sont gravement morts. There are those who die, those who are seriously injured. La mort n'est pas loin de nous. Death is not far from us. Des fois quand nous réveillons, sometimes when we wake up in the nous morning, nous pensons que c'est une habitude. We think it's a habit. C'est pourquoi quand tu vois ton frère, and this is why when you see your brother, tu vois ta soeur, you see your sister. Tu te vois ouvrir les yeux le matin. You see yourself open your eyes. Tu te vois finir une journée. And you see yourself finish a day. Et you should praise God. Amen. Amen. Quand on venait sur la route, on dit mais avec mon frère Jean-Pierre, la vie est devenue dangereuse. On our way here, I was speaking with my brother Jean-Pierre, and we're saying how dangerous the cities become. Il y a beaucoup d'armes qui circulent maintenant. There's many guns and weapons that are around. Pour un bien quelqu'un peut te tuer. For something very small, someone can kill you. Alors frère Jean-Pierre a dit, c'est pourquoi. And brother Jean-Pierre said, this les is why. Les gens devaient comprendre que. People should understand that. Notre vie est dans la main de Dieu. That our life is in the hands of God. Quoi que nous fassions. No matter what we do. Amen. On doit se confier à Dieu. We have to put our trust in Jesus. Amen. Amen. Bien-aimés, au commencement. Beloved, at the beginning. De la création de toutes choses. Of creation of all things. Rien n'était sur terre. Nothing was on earth. La parole nous dit que Dieu créa le ciel et la terre. The word of God says that God created earth and the sky. Dieu donna le sens à l'existence. God gave sense to existence. Parce qu'il y avait le néant.
Because it was complete darkness. Amen. Amen. Il y avait le néant. There was nothing. Ce Dieu a créé le ciel et la terre. God created earth and the skies. Qui peut symboliser une maison pour nous. That can symbolize a house for us. L'abri. L'abri. Un endroit qui nous protège. A shelter protects you. Shelter. Amen. Et ainsi, bien aimé. And this said, l'Éternel de gloire a fait ça pour l'homme. The word of God has done this for men. Alléluia. Il n'avait pas besoin d'avoir une maison, lui. He didn't need a house for himself. Il est Dieu. He is God. Et bien, il a créé ça pour l'homme. But he created it for men. Nous avons chanté ici que quand je regarde l'univers, l'ouvrage, les ténèbres. He's saying here that when I look at the universe, everything that God oh, made. Alléluia. Il faut que je loue l'Éternel Dieu qui a fait ça. I must praise God who has done this. Bien-aimé. Beloved. Quand tu vois un homme de la terre. When you see a man on earth. Il a fait une œuvre quelconque. He did something. Vous voyez comment les gens louent la personne. Do you see how people praise the person? Amen. Amen. Un homme de la terre, la poussière de poussière. Dust of dust. Mais regarde comment les gens élèvent cette personne. See how people praise this person. Mais toi, tu es censé, tu es dans la nature, tu ne sais même pas admirer la nature, louer l'odeur de cette nature. You look at nature and you're not even capable to see the person who has done and to praise the person who has done this nature. Entrons dans les Écritures. Dieu créa le ciel et la terre. Let's go into the writings. Au commencement, il y avait le néant. At the beginning, there was nothing, complete darkness. Aujourd'hui, tu es venu en ces lieux. And today, you come here. Amen. Amen. Peut-être dans ton cœur, il y a un néant quelque part. Maybe in your heart, there's darkness. Il y a un vide quelque part. There's emptiness somewhere. Il y a un besoin quelque part. There's a need somewhere. Moi, je ne connais pas ton besoin. I don't know your need. Aujourd'hui, les messages que je vais donner, c'est de dire mets la main à la pâte. Today, the message that I want to give is to put your hand à l'œuvre. Put your hand into the mission of God. Amen. The word of God. Mets la main à la pâte. Commence à travailler. You should start working for God. Non, for God. I say, mets la main à la pâte. You should start working for the works of God. Et mets la main avec Dieu. And put that hand with God. C'est ça le message de jour. That's the message of today. Tu es un néant, toi. You have emptiness. Tu as un vide en toi. Darkness inside. Tu as un besoin quelconque en toi. Need inside of you. Ce besoin a perdu. This need is very, it's urging you. Ce besoin continue à exister. This need continues to exist. Et il est constamment devant de toi. It's constantly in front of you. Et il te défie. And it's defeating you. Je vais te rappeler une chose. I will remind you one thing. Au commencement, at the beginning, il y avait aussi un vide. There was also emptiness. Amen. Amen. Et Dieu a créé ce qui existe. And God created what exists. Parce que ça n'existait pas. Because it was not existing. Alléluia. Amen. Mais regarde maintenant ton besoin. Now look at your need. Ton besoin c'est quoi? Un mari, une femme, un enfant, un travail, de l'argent, je ne sais pas quoi. What could your need be? A work? Husband, wife, family. Protection de ton cœur. Protection of your heart. Prends ton besoin, compare à la création de ce Dieu. Take your need and compare it to the creation of God. Dans la vie humaine, quand tu as un besoin et tu apprends qu'il y a quelqu'un qui peut accomplir ce besoin-là, on court vers cette personne. In human life, when you know you have a need and there's somebody that can fulfill your need, you run to that person. Amen. Amen. Je t'appelle à Dieu. I call you to God. Oh, à l'invitation de l'Éternel. The invitation of God, the eternal. Qui est la solution de toutes choses. And the solution of all things. Bien-aimé, la parole nous dit que la terre était un vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de la terre de la Bible. The word of God says
that there was complete darkness on earth. Amen. Amen. La terre était totalement vide, elle était informe, et il y avait les terres, il y avait la pile, il n'y avait rien du tout. The earth was dark and it was formless. There's nothing there. Alléluia. Amen. Mais pendant ce temps-là, que Dieu a créé le ciel et la terre, mais on nous montre comment, quand la terre était créée, était forme, elle n'était pas bonne, l'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux. They're saying that God created the earth and the skies, and during the earth was formless and dark, the Spirit of God was moving in the waters. Alléluia. L'Esprit de l'Éternel. L'Esprit créateur. Spirit that creates. Il mouvait sur les eaux. Was moving in the waters. Bien aimé, pendant ce temps que tu as un besoin dans ton cœur. During this time that you have need in your heart. Pendant ce temps, il y a quelque chose qui ne devait pas être normal. During this time that there's something that should be normal. And it's during this time that you're formless. Tu as certaines de faux. You have certain things that are wrong. Laisse-moi te dire que l'Esprit de Dieu est en train de mouvoir. I tell you, the Spirit of God is moving. Amen. L'Esprit de Dieu est en agitation. The Spirit of God is agitated. Quand il move, when it moves, il ne move pas pour mouver. It doesn't move just to move. L'Esprit de Dieu, the Spirit of God, il était là sur la terre et sur les eaux. It was there on the waters. Il mouvait, il était en agitation, en attendant quelque chose. It was moving, it was agitated, waiting for something. Est-ce que vous avez vu quand on donne la vie? Have you seen when we give life? Quand cet enfant sort, when this child comes, il y a un mouvement. There's a movement. Amen. Amen. L'enfant est en agitation. The child is agitated. Et il crie. And screams. Ainsi devient un homme dans le monde. And this is how men come to life. J'aime la parole que mon frère Patrick dit. Dieu est celui qui décide d'ajouter une âme à la terre. I like when my brother says that God is the one who decides to add another soul on earth. Even when you said it to me, I'm sure you forgot, but I was wondering where he found adding a soul to earth. And that's deep. The Spirit of God is moving. Hallelujah. Hallelujah. Il est disponible à tout le monde. He's available to all. Il est en agitation. It's an agitation. Il est partout. He's everywhere. Il n'a pas quelque part où il ne paraît pas. There's no place that he doesn't pass. Amen. Il est en agitation. He's agitated. Il cherche à faire quelque chose. Looking to do something. Qui n'a jamais existé. That never existed. Il veut commencer l'existence de quelque chose. Want to start the existence of something. En toi et en moi. In you and I. Hallelujah. Amen. Oh Jesus. Nous devons mettre la main à la pâte. Je ne sais pas comment tu vas traduire ça. We have to put our hand in the paws. Pour exercer. For us to exert. Parce que nous sommes créés pour exercer. Because we are created to exert. Dieu nous a créés pas comme des animaux. We are not created like animals. Et regarde, l'homme a construit le monde aussi. You see that men created. Il a construit les maisons. Houses. Il a fait beaucoup de choses. Did many things. Et il continue à faire. And he continues to work. Nous sommes créés pour exercer. We are created to also exert. Alléluia. Mais exercer avec Dieu maintenant. But not with God. Avant de commencer à exercer pour quelqu'un d'autre. Before to start exerting for someone else. Je parle ici d'exercer pour toi-même. Speaking the first for yourself. Pour ton âme. For your soul. Amen. Amen. Alléluia. Pendant que l'Esprit de Dieu mouvait, during when the Spirit of God was moving, la parole me dit,
dit ceci. The word is telling me this. Dieu dit, alléluia, Dieu sort la parole. God uses words, speech. Dieu a sorti la parole. He used speech. La parole est sortie de sa bouche. The speech came out from his mouth. Et il a dit, and he said, que la lumière, that light, sort to be. Amen. 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 There's darkness in your life. Tu ne sais pas les enlever. You don't know how to remove them. Un péché quelconque qui est lié à toi. Is there any sin that's connected to you? Tu ne sais pas te séparer de ce péché. You don't know how to separate yourself from this sin. L'ennemi a émis domicile dans ta maison, dans ta vie. The enemy is taking place in your life. Dans ta famille. In your family. Tu ne peux réussir rien. You cannot succeed in anything. Tout ce que tu fais, c'est ça ne réussit pas. Everything you try is not come to fulfill itself. Mais Dieu t'a créé pour exercer. But God created you to exert. Et pour tout, tu as un besoin. And you have a need. Et tu cherches à accomplir ce besoin. And you're looking to accomplish this need. Mais tu n'arrives pas à réussir. But you're not able to. L'ennemi a siégé ta vie. The enemy is taking place in your life. Alléluia. Tu n'as même plus la force de venir à la prière le dimanche. You don't even have strength to come to prayer on Sundays. Même les samedis, même quand on t'appelle pour aller prier. Even on Saturdays when they call you to pray. Tu n'as plus même la force de tenir la Bible pour méditer. You don't even have strength to take the Bible to meditate. Les ténèbres t'envahissent. Darkness is coming upon you. Tu es dans l'abîme. You are in nothing. Là, il n'y a plus de solution. No solutions. Et toi-même, tu vois que tu ne prêtes pas. Tu es fort. Even you see that you're not pleasing God, you're formless. You're formless. Good. Pendant ce temps-là, bien-aimé. During this time, beloved. Mais Dieu a dit que la lumière soit. God told light to be. Et la parole est dit. Et la lumière fut. And the light was. C'était tic-tac. It was 1-2. Amen. Amen. La parole de Dieu sortit. The speech of God came out. Quand la parole de Dieu sortit. When the speech of God came out. L'esprit était en agitation. The spirit that was there in agitation. Amené la parole à l'existence. God's word to existence. Et a créé la lumière. And created light. Quand on dit aux gens, il y a des choses, il y a certaines prières. Ça nécessite que tu te lèves, tu parles avec conviction. Tu ne peux pas fermer ta petite bouche. Tu parles. In certain prayers, you need to speak. You need to use your speech with conviction. You need to speak for it to come to pass. J'ai aimé. Oh, je vois une image passer dans moi. I see an image coming. Les gens là, ils viennent devant Dieu, ils le prient avec respect. People, when they come in front of God, they pray with respect. I'm praying in my heart. God even listens when you pray in your heart. Mais quand nous avons un problème. But when we have a problem. Avec un homme. With a man. Qui veut vraiment prendre un avantage que nous avions. That's trying to take an advantage that we have. Voyez comment est-ce qu'on implore l'homme. You see how we speak to the man? On peut implorer l'homme là. Are we going to speak to him in this manner? On l'implore avec l'âme et le cœur. We do so with our soul and heart. J'aime beaucoup les films qu'on a traduits un peu pour montrer la vie d'Abraham, de Moïse. On voit comment il parlait à Dieu. If you see this movie, like they're showing the life of Moses and Abraham, you should see how they're speaking to God. Il en fait les cris de l'âme. They were shouting all their heart out and their soul. Pour des choses banales, on shout, on fait tout ce qu'on fait. Mais pour les choses de Dieu, on prend le respect.